Salut les amis, je viens vous parler aujourd'hui des mythes gala. C'est mythe gala ou bien c'est mythe gala? Dites-moi dans les commentaires, c'est mythe gala ou bien c'est mythe gala? Je viens vous parler des mythes gala 2024. Le 6 mai dernier, il y a eu les mythes gala 2024. C'est quoi les mythes gala? C'est un gala de charité. Ils appellent ça un gala de charité. Pourtant, les stars, c'est l'occasion pour les stars de venir se faire voir, de venir faire montre de leur expertise dans le domaine de la mode. De venir montrer qu'elles savent s'habiller. Voilà. Ce que les gens là nous ont servi là-bas, là, il y a des stars qui n'ont pas respecté le thème. Il y a des stars qui n'ont pas respecté nos yeux dans l'affaire de Met Gala 2024. Donc je viens décortiquer, je viens noter leur style. Je viens, oui, parce que moi-même j'ai du style. Moi-même j'ai du style. J'ai porté du New York, du New York, voilà. New York, qui est la ville où cette tenue, les Met Gala, donc je suis légitimement bien placé pour en parler. Ok, donc vidéo qui sera chic là. Quand tu vois, tu sais, ne zappe pas, ne change pas de chaîne. C'est ici que tout se passe. Abonne-toi, like, commente, partage, fais tout ce que tu veux. Voilà, on est ensemble. Générique. Hello everybody, I hope you are, me I'm fine. Today I'm coming to talk about Met Gala. Et vous là, je méritais ma place au Met Gala, Ok, donc on va enchaîner avec Aya Nakamura. Avant de parler de son style, les gens qui ne voulaient pas qu'elle représente la France, qu'elle ouvre les Jeux Olympiques là, ils sont où ça? Vous êtes où? C'est quel artiste français ils ont invité au Met Gala là-bas? Si c'est pas Aya Nakamura. C'est quel artiste français ils ont invité au Met Gala si c'est pas Aya Nakamura? Déposer pour la fille mérite. Voyez ça, elle est là-bas aujourd'hui. Ok, revenons à son style. Where is his style? Anglais, côté anglais là, ça. Non, where is her style? C'est une fille. Donc, where is her style? Vraiment, Aya Nakamura. Rien à dire. Pour son premier Met Gala, la meuf, elle a grave assuré. Grave. On voit les petits trucs qui font référence aux herbes, genre le vert là. Ça fait référence au vert. Ça fait référence aux herbes, tout ça. Vraiment, Aya, tu as géré. Et puis en plus, il y a la coiffure qui n'a rien à voir, mais la coiffure relève ton visage. La coiffure relève ton visage. La beauté de ton visage. Vraiment, tu as assuré. J'ai bien aimé le petit décolleté. Oh, Aya Nakamura, mec. Je te donne un 9. Un 9 ou un 8. Bon, un 9. Allez, un 9. C'est toi, Aya Nakamura. Un 9. Tu nous as représenté là-bas. Par contre, petit bémol, Aya Nakamura, c'est le fait que, ben, on a vu qu'une seule tenue. Et l'autre tenue, là, Aya. Aya, où est votre tenue là? Faut pas nous énerver. Parce qu'on te supporte, mais faut pas. C'est quoi ça là? Tous tes amis ont fait deux tenues, toi tu fais une seule tenue de partie là-bas. Ou bien les photographes t'ont pas pris une photo. Bon, on va partir sur ça. On va attaquer avec Lizzo. Lizzo. Blaming all my juice, blaming all my juice, baby. Les mamans. Bon, c'est pas Véro Chichi. Lizzo, franchement, j'ai pas compris ta tenue. Lizzo. J'ai vraiment pas compris ta tenue. Je sais pas qu'est-ce qui t'a pris. C'était qui ton styliste? Mais franchement, what is it? What is it, Lizzo? What is it? Because you don't understand when I speak French. So what is it? I never understand this outfit. I'm sorry, Lizzo. I'm sorry. What is it? C'est quoi ça là? Est-ce qui va là-bas? C'est quelle antenne ça là? C'est ça la mec qui m'énerve. Franchement, Lizzo, j'aime pas du tout. Mais comme tu chantes bien, je t'aime. Ben, je vais te mettre un gentil 5. Franchement, un gentil 5. Sinon, ce que tu as fait là, ça me plaît pas. Hein. Oh, c'est quoi ça là? Il y a la robe là. Et maintenant, on va passer à Anok Yai. C'est une mannequin. Moi-même, je sais pas si c'est comme ça on prononce son nom. Anok Yai. Anok Yai. Franchement,
ton style là, je ne le comprends pas. On dirait une sirène. Désolé, ben, peut-être que je vais être le seul à le penser, mais on dirait une sirène. Franchement, what is it, baby? You are very beautiful, but you like a sirène. You like a sirène? I don't understand. Mais quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a de la recherche. Il y a de la recherche. Et j'aime aussi le collier. Ouais. Le thème hier, the garden of time. Garden of time, ok, c'est ça. Donc je vois que tu gardes le temps. Et ne m'écoutez pas, le garden of time, c'est vraiment pas en référence à garder un temps et tout. C'est le jardin du temps. Voilà. Mais c'est shit quand il dit the garden of time, j'espère que tu gardes. Et ne me fatiguez pas, vous avez compris, c'est quoi ça là même? En tout cas, j'ai pas aimé. Bon, un peu comme. Bon. Il y a de la recherche et puis tu es belle. Je vais te donner un 6. Franchement, c'est tout ce qu'il peut faire pour toi. Hein. 6 sur 10. Voilà, 6 sur 10. Les sœurs Kardashian. Franchement. Kim. On va commencer par toi. Kim. Hey. Kim, je t'aime bien. Je t'aime bien. Beaucoup même, beaucoup. Je vois qu'il y a des trucs qui font référence à la fleur, donc au jardin. Mais ta tenue là, franchement, je ne sais quoi en penser. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Mais c'est joli quand même. Mm-hmm. Comparé à tes soeurs, c'est joli. Voilà. Donc je vais te mettre un 7. Ouais, un gentil 7. Un gentil 7. Parce que toi-même qui même n'y a pas compris. C'est quelle robe ça là? Tu vas peut-être chercher Marie ou bien. Aïe! On va passer à sa soeur Kylie Jenner. Kylie Jenner. Ta robe même n'est pas dans le thème. Ta robe même n'est pas du tout dans le thème. C'est quoi ça là? Ce qui est au niveau des seins, hein, j'ai pas compris. C'est quoi? C'est un fusil? C'est pour tuer qui? Dis-nous tout, baby. I want to know, baby. Parce que c'est quoi ça là? C'est pointu comme ça. C'est Bobitana. Tu veux dire que tu as Bobitana? Tu mens. Tu mens même. Tu n'étais pas dans le thème. Kylie, je pensais que je m'étais trompé. Je suis parti bien regarder ta robe, mais franchement, je ne me suis pas trompé. Où est côté garden? Côté fleur pour dire que tu es dans le jardin, je ne vois toujours pas. Je ne vois pas du tout. Franchement, tu es belle, mais je ne vois pas du tout le côté garden. Je vais te mettre un 4. Mais les amis. Notez Kylie, s'il vous plaît. Notez Kylie. Commentez Kylie. Peut-être qu'il me trompe, mais franchement, je ne vois pas le côté garden. Jardin là. Il n'y a pas encore vu. Jardin du temps. On ne sait pas c'est quel temps qui est là. Peut-être c'est le futur. Peut-être c'est comme ça que les jardins seront dans le futur. Sinon, actuellement, hein. Kendall Jenner, baby. Why? Why? One word. Why? I love so much. And I don't know. I don't understand your sign. You hide it, I don't understand, baby. Why? I do believe that you'll change it next year. Next Met Gala. Okay, baby. Bon, ceux qui ne sont pas bilingues, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont bilingues. Je disais que j'espère que Kendall va changer son style l'année prochaine parce que je l'aime beaucoup et je comprends pas. Bon, je vais zoomer pour voir où est le côté garden. Un jardin noir. Et Kendall. Kenny. Ça passe pas. J'aime pas. Franchement, désolé. Tu es très belle, il n'y a pas du nom, mais tu n'es pas dans le thème. Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas dans le thème. Je vais te mettre un 4. Parce que tu n'es pas dans le thème. Franchement, tu n'es. Ou bien c'est les branches d'arbres. Ce sont les branches d'arbres, ça là. C'est qui pend. Si on pense que ce qui pend, ce sont les branches d'arbres, tu es un peu dans le thème. Mais j'aime pas ta robe. Franchement, j'aime pas ta robe. J'aime pas. I don't like. C'est pour Kylie là même. Aïe. Tata Nicki Minaj. On passe à Nicki Minaj. Tata Nicki, tu es coloré. Quand on dit que quelqu'un est fleuri là, c'est toi. Hein? Quand les Français créaient le mot fleuri, ils ont mis ta photo à côté.
ils t'ont regardé et puis ils ont dit que ouais, c'est ça qui indique que quelque chose est fleuri. Ouais, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ben, j'aime la robe, j'aime les couleurs. Franchement, j'aime. Tu as respecté le thème. Selon moi, en tout cas. Tu as... Même si c'était un peu trop aussi. C'était un peu trop. C'est qui est à côté, on dirait que tu as t'envolé là, c'est quoi? C'était un peu trop aussi. Mais bien, j'aime quand même. Je sais pas, j'hésite les amis. Vous aurez noté combien? 8, non? 8. On met 8 à Kenny et à Nikki. Un 8 à Nikki. You have done beautiful, Nikki. Hein? You have done beautiful. Don't chain, baby. We'll talk about Nicki Minaj without talking about Cardi B. Woo! Je disais, qui parle de Nicki Minaj sans parler de Cardi B? Qui? Cardi B, franchement, I like your style. I like your heart, baby. You're done beautiful in this. Franchement, j'aime beaucoup. Mais attends, où est côté fleur? Jardin, où c'est? Juste, attends. Faut pas y aller vite partir en besogne parce que c'est le côté jardin que je cherche. En tout cas, la robe, elle est jolie. Hey, pourquoi il me fait ça? Hey, j'aime la robe. Franchement, j'aime la robe. Et je ne vois pas le petit fleur. Faut te sauver, ma petite. Faut te sauver, ma tata. Tata Kali. Tata Kali. Le collier, là, c'est quoi? Je sais pas, les amis. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Cardi B mérite combien? Parce que je vois des trucs sur sa robe. Mais est-ce que c'est... On dit que ce sont les zèbres. Parce que j'aime. On va dire que ce sont les zèbres. C'est que sa robe en bas. Ce sont les zèbres. Mm-hmm. C'est Eb. Donc Cardi B, 8. Franchement, c'est Eb. Ouais. Non, mais Cardi B, parfois. Cardi B, 7 secondes. Parce que Nicki Minaj, là, vraiment, elle était trop dans les thèmes que je vois. Voilà. Donc, il y a Tion. Doja 4. 2. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Franchement, je sais plus. L'année dernière, tu nous as ramené. Franchement. L'année dernière, Doja 4 était habillé en chat. Vous voyez, l'année dernière, le thème c'était le chat du gars là. Oh, le gars de j'ai oublié. Donc, elle a porté ça là. Comment elle s'appelle Doja Cat? Elle a pensé qu'elle pouvait faire ça. Elle s'est déguisée en chat. Et aujourd'hui, regardez ce qu'elle porte. Regardez vous-même. C'est quoi ça là? Serviette. Hey, c'est pas joli. Moins 2. Ta note moins 2 sur 10. C'est quoi ça là même? Toi, tu es céleste ou bien? Céleste, toi tu es évangélique Céleste. Ouais, Gardel. Il y a une tosse qui me fait beaucoup rire. Celle-là, il ne va pas la noter. Franchement, mais il la connaît pas. Franchement, je sais pas. Elle est belle, je sais pas. Tata Tennis. C'est-à-dire qu'à la chute, si elle rentre contre, si elle s'abaisse, et puis elle rentre dans le ballon. Et puis elle roule. Elle risque de faire tomber tout le monde. Tiens! En tout cas, tu as de l'imagination. Tu as de l'imagination. Waouh! Katy Perry, waouh! Quelle imagination! On voit même les fleurs qui sont là poussées, même du jardin. Tiens! 10. Non, 10 et 10. I like it, Kari. Baby, Kari, I like your heart. Sabrina Carpenter, I like you baby, je t'aime beaucoup aussi. Mais franchement, je ne sais quoi dire. En fait, le bas, il ressemble à une fleur. Mais sans plus quoi, on doute que c'est fleur. Sinon, fallait mettre une petite fleur ici, peut-être, je sais pas, dans tes cheveux. Non,
5. 5. Ils m'ont dit que il fait combien? 4. Inax 6. Tu vois le critiquer, je cherchais la fleur, je l'ai trouvée. La fleur y est. Oui, Lil Nas X, tu es avant-gardiste. Lil Nas X, waouh. Ouais. C'est bon. Ouais. Ouais. Avec la cape de Spider-Man. Yes, crazy. It's cool, it's cool. Ok, so Lil Nas X, I gave you. Grade of. Hi. Je vais te donner, je sais pas, aidez-moi les amis. Mais faux ongles aussi est venu tout cas. Faux ongles. Tiens, Lil Nas X. Faux ongles est venu tout gâter. Bon, je vais mettre un 9. J'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Oula, cette vieille était dans le thème, mais elle a même mis un oiseau sur elle. Mais c'est trop sombre. Rouge à lèvres. Maquillée, tout est sombre. Aïe. Mais c'est joli quand même. Je sais pas. 8 secondes. Un petit 8 secondes. Parce que. Non, franchement, 7. 7 secondes, 7 secondes, 7 secondes. C'est mieux pour toi, 7 secondes. Je t'ai pas amusé, mais la robe. Peut-être blanc allait me plaire plus. La couleur blanche. Là, Rihanna était là-bas aussi. Que je vois des trucs, mais je sais pas parce que elle n'a pas posté sur sa page. Donc est-ce qu'elle était là-bas? En tout cas, ça rentre dans le thème parce que je vois des branches d'abétiche, tout ça là. Ah, ça rentre là-même. Je vois jardin dedans, des fleurs, tout ça. It is too much. I don't like the fact that le sec là, je ne comprends pas. Elle est dans la lune bien. Je ne comprends pas en fait. Mais faut ça passe pas, j'aime être toi. J'aime pas, désolé baby. Elle est super. Hey, oula, non, la vidéo a trop duré, 17 minutes. C'est bon, si vous voulez une partie 2, je vais la faire. De toute façon, mais je ne suis même pas sûr qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, si vous avez regardé et que vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu, blablabla, blablabla. Yes, thank you, babe. Very much.